on a reçu ça de la part d'un monsieur qui dit qu'il ne ressent rien lorsqu'il fait l'amour. Donc, il Ah arrive oui. à avoir une érection, mais alors vraiment, durant l'acte, Pas de plaisir. pas de plaisir, rien. Et c'est des situations qui sont. C'est vrai qu'on en parle rarement de ces situations-là. Et elles sont assez subtiles à analyser. Un homme qui n'a pas de plaisir pendant les rapports sexuels, c'est considéré comme rare. Une femme peut très bien ne pas avoir de plaisir pour une raison simple, c'est qu'elle peut faire l'amour sans avoir envie. Un homme sans avoir envie, c'est super difficile de faire l'amour sans le désir. L'érection peut être complètement bloquée. Dans ces cas-là, il faut tout d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de traitement en cours. Par exemple, les traitements antidépresseurs peuvent donner ça. On fait l'amour, mais on n'a pas de sensation, pas de plaisir. Les traitements contre la douleur peuvent donner ça. Certains traitements contre les cancers, contre la tension, parfois peuvent donner ça. Donc d'abord, s'assurer quel type de traitement on prend. Ensuite, s'assurer qu'on n'a pas de problème physique localement autre, c'est-à-dire, est-ce que quand je fais pipi, je sens le pipi passer? Est-ce que quand je touche cette zone-là, je sens que je touche, ou est-ce qu'elle est comme anesthésiée ou comme engourdie, endormie? S'il y a des signes de type manque de sensation physique de cette zone-là, il vaut mieux consulter, c'est qu'il y a un problème neurologique, il y a des nerfs qui sont comprimés. Si on n'a rien de tout ça, c'est que c'est probablement un manque d'explosivité du plaisir. Et en général, c'est quelque chose qui n'est pas que sexuel, mais global. C'est-à-dire, souvent, c'est des hommes qui disent, c'est vrai que pendant le rapport sexuel, je n'ai pas beaucoup de plaisir. Mais il y a d'autres situations. Par exemple, je vais regarder un film, tout le monde va trouver qu'il était waouh, génial, et moi je vais dire ouais, c'était bien, mais c'était pas non plus extraordinaire. Je vais manger un plat que j'adore et je vais dire oui, c'était bien, j'ai pas eu énormément de plaisir. C'est souvent tout le système de plaisir qui est perturbé. Et là, je conseille vivement, si c'est le cas, de consulter sexologue qui connaît ce type de problématique, parce qu'il y a des façons de travailler pour réveiller les zones, en fait, d'impulsion des émotions, d'impulsion du plaisir, qu'il soit sexuel ou non sexuel. Et là, par exemple, tout à l'heure, on parlait des aphrodisiaques. Là, par exemple, il y a des plantes, compresseries, et qui peuvent réveiller un tout petit peu ces sensations. Petite remarque, c'est souvent aussi des situations où l'homme a un cerveau qui ne s'arrête pas forcément pendant l'acte sexuel. Et donc, c'est difficile d'avoir du plaisir tout en ayant un cerveau qui cogite. De façon continue, ça diminue malheureusement l'intensité du plaisir. Donc, c'est quelque chose qui, si ça s'installe et que c'est pas lié à une prise de médicaments que j'ai cité tout à l'heure, ça mérite quand même une consultation pour faire un travail de fond. Oui, c'est sûr. Et ça peut pas être une histoire de manque de sensibilité, par exemple? Si, et c'est pour ça que si c'est un manque de sensibilité, c'est qu'il y a un manque de sensibilité globale et c'est pas normal d'avoir un manque de sensibilité. Sinon, ça donnerait, quand on a un manque de sensibilité non pathologique, non anormal, ça va donner du plaisir et tout, mais une difficulté à atteindre l'orgasme. Mais une absence de plaisir pendant l'acte sexuel, c'est que le manque de sensibilité, est quelque chose d'assez important et il faut vérifier s'il n'y a pas un problème neurologique derrière. Un truc tout simple qui est connu maintenant, ce qu'on appelle les compressions du nerf pudendal. Par exemple, quelqu'un qui a chuté il y a des années, mais qui est tombé, vous voyez, les deux jambes écartées sur quelque chose, sur le vélo ou sur une barrière ou quoi, bah, ça peut donner plus tard, des années plus tard, un manque de plaisir pendant les rapports sexuels. Donc il y a des petites choses à vérifier de ce type-là. Des années plus tard, c'est dingue. Oui, parce qu'il y a la compression qui peut venir progressivement et l'inflammation peut s'installer, et la compression devient significative avec le temps.